Mesdames et messieurs, Dakota et Nadia. Là, ils m'ont mis face à du lourd, là. Ça va pas être facile. Affogiamo a te la muse Africa on affogiamo a te la muse Première fois que je vois Samy aussi ému. Je sais pas. Vous avez touché l'animal quand même, vous vous rendez compte un peu? J'en reviens pas que vous m'avez choisi, honnêtement. Ouais. Merci à vous. Merci à vous. Vous savez, cette histoire qu'on voit d'immigrants, tu sais, on parle de ce concept qui est tellement vague dans la tête des gens. Des fois, ouais, on parle d'immigration, mais sans connaître les histoires personnelles des gens. Et des histoires comme ça qui sont racontées comme ça dans les arts, ça vient nous toucher de cette manière. Et je sais pas, tu peux pas... Je pense que ça vaut, au-delà de cette compétition, d'une émission de télé, ce qu'ils viennent de faire, je pense que c'est même pas juste que ça soit dans une compétition. Tout le monde devrait voir ça d'une manière ou d'une autre. Je pense que c'est quelque chose qui est pas juste fait pour la France. Et cette émission, c'est pour l'humanité de voir quelque chose comme ça, surtout avec les discours qu'on a ces jours-ci. Alors, tout simplement, un merci de la part de tout le monde. Merci. C'est vrai que
tout le monde vous voulez dans son équipe. C'est réel. On a tous demandé. Non, moi pas. Ah bon. Est-ce qu'on peut avoir Dakota moi, Nadia? Je crois qu'on était trois, vous là. Et la question, pourquoi avez-vous choisi Samy? Alors, c'était dur. C'était vraiment dur. On aurait préféré qu'il n'y ait qu'une seule personne qui nous choisisse parce que ce qu'on vit actuellement, c'est grâce à vous quatre. Si aujourd'hui, notre rêve, qui était de devenir danseur professionnel, il est possible, c'est grâce à vous. Donc, allez choisir entre votre père et votre mère. C'est dur. Et le choix qu'on a fait par rapport à Samy, c'était son côté dur. Il a un regard de producteur qui était très intéressant pour nous, étant donné qu'aussi on travaille sur nos premiers spectacles. Et je vous adore tous. Mais si moi j'avais demandé, tu m'aurais choisi. On verra après les votes. Vous êtes vraiment, depuis le début, un miroir sur notre société. Vous avez montré que la danse n'a pas besoin de mots pour exprimer des émotions et des situations graves. Vous avez touché nos cœurs dès la première fois. Ce qui continue à me bluffer, c'est que vous continuez à raconter des choses, à vous renouveler. Et ce qui me bluffe aussi, c'est ce prolongement que vous êtes l'un de l'autre. C'est-à-dire que tu finis les gestes qu'elle a commencés et vice-versa. Vos âmes sont connectées. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez montré une facette de Samy qu'il cache beaucoup. Il a beaucoup de pudeur, beaucoup de sensibilité. Et je suis contente que vous ayez fêlé la carapace enfin. Mesdames, Messieurs, Antonio. Eh bien, Mesdames et Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. 3 ans déjà, que le temps passe vite. Pour cette expérience, je vais avoir besoin de David. S'il vous plaît, applaudissements pour David. Ah non, ne le faites pas disparaître. Je vais te demander d'écrire 3 nombres à 6 chiffres ici. D'accord. Alors d'abord, tu vas signer ce petit papier ici. Je le signe. Absolument. Comme ça, nous marquons bien cette page. Okay. Alors, très bien. Et ici, tu vas écrire 3 nombres à 6 chiffres. Quand c'est terminé, tu refermes le calepin, tu le montres à personne. Hein. Tu refermes et on va laisser le calepin devant Samy. Et là, je viens vous rejoindre, mesdames et messieurs, car j'ai ici un jeu de cartes. Et c'est important de dire que toutes les cartes sont différentes. Ce sont des lettres. Elles sont toutes mélangées. Ah oui, c'est vrai. Et on va commencer par Hélène. Hélène, si vous voulez, vous pouvez mélanger les cartes, mais si vous me faites confiance, c'est bien aussi. Non, vous pouvez mélanger. Et là, on mélange, donc du coup, je ne peux pas connaître l'ordre des cartes. Mais regarde. Ah oui, tu veux vraiment à la professionnelle, quoi. Oula. Ok, allez, merci, bonne soirée. Ça sent le poker à 14h du matin. Hélène. Le strip poker, exactement. Je vais vous demander d'avancer 6 cartes. Vous avancez les 6 cartes que vous voulez. D'accord. 6 cartes. Au hasard, comme ça on est sûr que c'est vraiment au hasard, d'accord ? Mais 6 cartes. C'est vrai, en plus. 4. 5. Et 6 cartes, merci beaucoup. Samy, pour l'instant, vous gardez ça fermé, d'accord ? Hélène, je vais aussi également vous donner un marqueur. Et ici, un papier. Parce que je vous explique ce qui va se passer. Sur ces 6 cartes, vous allez devoir créer le mot le plus long. C'est-à-dire que vous pouvez créer un mot à 4 lettres, 5 lettres, 6 lettres, sur les cartes que vous avez choisies vraiment au hasard. D'accord ? Ensuite, vous l'écrivez... Scrabble. C'est un Scrabble, exactement. Ensuite, vous l'écrivez sur le carton, mais moi, je ne veux pas voir. D'accord ? Marianne, à nous. Bonsoir. Bonsoir Marianne, nous avons 4 livres. Alors, 4 thèmes différents. Un livre sur l'histoire du monde, un livre sur les prénoms, un livre sur la politique, un livre sur la nature. Je vais vous demander de poser votre main droite sur un livre, celui que vous voulez. Sur les prénoms. D'accord, je vous montre. C'est un livre sur les prénoms. Ils sont tous différents, les prénoms. Augustin, Aurélien, Brigitte, d'accord ? Et là, je vais vous demander de prendre vers vous le livre et de l'ouvrir où vous voulez. Vous voyez, si je l'ouvre ici, c'est Félix. Si je ne sais pas, si je l'ouvre, par exemple, là, hop, j'ai Brigitte, d'accord ? Mais attention, je ne regarde pas. Vous ouvrez une seule fois une avec seule le fois pouce. Oui. Ça y est. Très bien. Vous pouvez commencer à faire le calcul avec votre calculatrice, si vous en avez une. Oui. Vous avez une calculatrice ? Oui. Très bien. Vous avez un mot en tête ? Vous allez également l'écrire sur ce petit carton. Yes. Voilà. En gros, en petit ? En gros, en petit, comme vous voulez. Ok. De toute façon, peu d'importance. On s'en fiche totalement. Et nous avons également ici Samy qui fait le calcul. Alors, on montre à la caméra. C'est quoi ? 343 734, c'est ça ? Oui. David, on peut écrire sur le tableau 343 734 ? Absolument. Hélène, c'est quoi le mot que tu as formé ? Bague. David, est-ce que tu peux écrire le mot bague en haut, s'il te plaît, en grand, hein. Essaye en grand. Et ma chère Marianne. Georges. David, en bas, le prénom Georges en grand, s'il vous plaît. Merci, mon cher David. Et je pense qu'on peut remercier David aussi et l'applaudir bien fort.
Merci David. J'ai comme une sensation de déjà-vu. Car comme vous le savez, je suis magicien mentaliste et les mentalistes aiment prédire l'avenir. Mais vous, ce que vous venez de faire, c'est de prédire le passé. Ce qui est quand même impressionnant, c'est que vous aviez choisi au hasard les trois éléments qui m'ont fait gagner l'émission La France, un incroyable talent, il y a quelques années. Vous voulez la preuve ? Regardez. Je viens me rapprocher vers vous parce que je vais avoir besoin d'une bague. Est-ce qu'ici, vous avez un tatouage, ici ? Oui. Oui. Mais c'est pas un numéro. Regardez. Levez, 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 levez. Encore, encore. Regardez. C'est regardez. 343 734. Pour la première fois, comment s'appelle cette personne, s'il vous plaît ? Vous pensez à qui ? Georges Clounet. Georges Clounet. Si nous pouvions remonter dans le temps, un petit peu plus loin. Et voilà, nous avons tous remonté le temps de plusieurs années en arrière. Tellement que je suis revenu, moi, avant le début du tour. Avant que les cartes ne soient imprimées. Avant même que le livre ne soit écrit. Examinons. Avant même que David n'ait écrit quoi que ce soit sur ce papier. Wow. Ah, les amis. Mais les amis, que diriez-vous du tableau ? Oh, yes. Merci. Merci. Il a l'air tellement à l'aise. Ouais, regarde-nous. Je te jure. Chérie, je vais faire une révélation. Tu sais, il y a deux moments dans la vie. C'est trouver son point G quand on est une femme. C'est vachement important. Et puis un jour, s'apercevoir qu'on aime la magie. J'aime la magie. Qu'est-ce qu'il a fait ? Antonio. Ah, mais lui, il qu'est-ce qu'il a fait ? T'as réalisé le plus grand miracle de toutes les saisons. T'as écoute, convaincu. Pourvu que ça dure pour la finale. La Antonio, je vais dire juste une seule chose. Brillantissime. Mais quelle classe. Quelle classe. La perfection. L'écriture de travail. Merci, merci. Franchement, je sais que tu n'as pas besoin. Merci de l'amitié que tu me fais d'être là. Merci à toi, Eric. Merci beaucoup, Anthony. Merci. L'élégance, le professionnalisme, comment c'était fluide. Dès qu'on pensait que le tour était fini, je disais, OK, mais on a déjà vu des tours comme ça. Et on retourne dans le passé. Et même avant que le livre soit écrit, les cartes soient imprimées, que le David tableau. Fasse le geste. Et après ça, on n'a pas vu le tableau non plus à la on fin. On n'a pas compris. Hein. Bravo. Cette cerise. Non, vous êtes un très bon adversaire. Alors, merci. Ah ouais, hein. Ouais, ça va être chaud. Ça va être merci. Chaud. Merci, merci beaucoup. Mais moi, j'ai un véritable déchirement ce soir parce que tu tombes pile poil contre des gens que j'adore. Et tu sais que je t'adore aussi. Donc je me dis que c'est très cruel ce qu'on est en train de nous faire là, cette bataille de jury. Cette bataille est dure. Il y a des équipes rivales qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Donc voilà, mais merci, ça me fait tellement plaisir de te voir. Et ce numéro, il est sublime. Ben, je vous remercie. C'est un plaisir de revenir ici sur l'émission. Les amis, là, ce qui va se passer, c'est comme choisir entre ma mère et mon père. Oh, mon pote, c'est chaud. Alors, moi, je pense que cette émission, au-delà des messages, au-delà de tout ce qu'on peut voir, il y a quand même des choses. Aujourd'hui, on a un duel entre Dakota et Nadia et Antonio. On a quelqu'un qui nous émeut par son talent de magicien. Et puis, on a des messages qui passent et tout le temps renouvelés, ce que vous arrivez à faire. Et cette émotion que vous nous amenez, moi, je présente, vous, vous jugez, vous, vous regardez. Il y a quelque chose qui se passe. Voilà, je suis très fier d'animer cette émission. La France a un incroyable talent. Aujourd'hui, c'est la bataille du jury et on est super fiers de vous avoir tous. Vous êtes la quintessence de ce qui se fait de mieux dans vos travails et je suis fier. Je suis fier d'être à côté de vous. Ouf ! Waouh, c'est un crève-cœur. Je vous l'avais dit, nous avons vu deux superbes performances et c'est maintenant le moment décisif, un moment où il faut faire des choix. C'est à vous, Hélène, Marianne et à vous, public. De décider. Vous avez 20 secondes à vos votes.
Ah, oh, quel cauchemar. Encore 5 secondes. Waouh. C'est... Oh là 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 là. Le vote est maintenant clos. Les amis, j'ai le résultat. Le voici. À l'unanimité, ah, putain. Dakota et Nadia, vous remportez ce duel. Bravo Antonio, bravo Antonio. L'immense magicien, immense. Merci beaucoup tout le monde, merci, 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 mille fois, merci. Bravo à tous les deux. Je suis dégoûté qu'ils aient mis Dakota et Nadia contre toi.